Imaginez une activité qui réunit toute votre communauté. Une activité qui fait la promotion de la vie active, du travail d'équipe et du multiculturalisme. Imaginez des gens de tous les âges, de toutes les tailles et de tous les niveaux en compétition dans un environnement à la fois divertissant et sécuritaire. Là où les groupes corporatifs et communautaires se font la course. Là où l'athlète d'expérience participe à une épreuve aux côtés de la survivante du cancer du sein qui, elle, a tenu une pagaie dans ses mains et mis les pieds dans un bateau pour la première fois la semaine dernière. Vous pouvez voir tous ces beaux rêves réalisés à l'occasion d'un festival de bateaux dragons. Et vous serez surpris de constater que même sans expérience, il est facile d'organiser un festival grâce au soutien de 22 dragons. Tout ce dont vous avez besoin est d'un peu d'eau. Le bateau dragon est un sport ancien. Il est originaire de la Chine et date d'environ 2500 ans. Ce sport visuellement spectaculaire est en ascension fulgurante à travers l'Amérique du Nord. Le bateau dragon se compose de 10 rangées de bancs pour asseoir les 20 pagayeurs, le tambourineur à l'avant, faisant face à l'équipage, et le barreur à l'arrière qui dirige le bateau. Les courses se tiennent sur un parcours de 200 ou 500 mètres, et il peut y avoir de 2 à 8 bateaux par course. Un petit festival peut rassembler environ 20 équipages et se dérouler au cours d'un après-midi, alors qu'un événement majeur peut rassembler 200 équipages et se dérouler sur une période de 2 à 3 jours. L'attrait du bateau dragon vient en partie du fait qu'il peut être pratiqué par tous, sans nécessiter de grande expérience de rame. La plupart des festivals de bateau dragon sont composés d'équipes formées dans la communauté. Ce sont donc des banquiers, des pompiers, des policiers, des enseignants, des employés de compagnies locales, des adolescents et des personnes du troisième âge qui coursent tous ensemble. Nous, notre nom, c'est les Pacemakers. Les Barbares de Québec. Montreal Lightning. Les Big Bois. Les Gingerbread Crew, c'est l'équipe pain d'épices en français. Gingerbread Crew! Eat me! Gingerbread Crew! Eat me! On est tous ensemble, on fait juste un dans le bateau, puis c'est cette synergie-là qui est super intéressante. Ce sport-là nous a réunis, on n'a pas le choix, on arrive dans le bateau, on pagaie, on a le même but. Il faut être en synchro ensemble, donc il n'y a pas... un peut pas être meilleur que l'autre, on y va, faut fonctionner ensemble. Ça permet de travailler différentes qualités de chaque personne. Donc, moi, j'aime bien me retrouver dans des groupes pour pouvoir exercer comme des certaines qualités de leadership. Il y en a d'autres que ça va être pour avoir un cercle d'amis. On en a quelques-uns qui sont arrivés au Québec, ça fait pas si longtemps. Donc, ça leur permet de se créer un cercle social à travers ces personnes-là. Votre taille, votre poids et votre âge n'ont aucune importance. Une fois la rame à l'eau, chaque pagayeur contribue à son équipe. Vous n'avez besoin que d'une ou deux pratiques et votre équipe est prête pour une journée de compétition amicale sur le plan d'eau de votre communauté. La plus intéressante qualité d'un festival de bateaux dragons est qu'il n'engendre pratiquement aucun coût pour son hôte. Les dépenses peuvent être absorbées facilement grâce au grand nombre de participants, défrayant chacun un minime coût d'inscription. Certains festivals de bateaux dragons sont reconnus pour avoir amassé des milliers de dollars pour des œuvres de charité. En 2006 seulement, 22 Dragons a assisté dans l'organisation de festivals ramassant au total plus de 100 000 $ pour diverses œuvres de charité et des organismes sans but lucratif locaux. Les festivals de bateaux dragons, c'est prouvé que c'est une manière de lever des fonds. Souvent, ça va aller à une œuvre de charité, mais il y a toujours un profit à la fin de la journée. Depuis 2003, 22 Dragons a organisé avec succès des festivals de bateaux dragons à travers tout l'Est du Canada et aux États-Unis. Nous possédons tout l'équipement et le personnel nécessaire afin de vous supporter dans l'organisation de votre propre festival. Nous vous guiderons dans la planification et la promotion de votre événement, et le jour même du festival, nous prendrons en charge tous les aspects techniques de la course. C'est de A à Z vraiment, ça commence, on leur montre comment faire le marketing de leur événement, comment inscrire des équipes, commencer l'événement. Et puis sur la journée de la course, c'est tout notre équipement, on fait l'installation du parcours, on a les bateaux, on a notre staff, les officiels, tout ce qu'il faut pour faire un bel événement de bateau dragon. Rappelez-vous, pas besoin d'expérience, seule votre motivation et un peu d'eau. Contactez-nous dès maintenant pour de plus amples renseignements à propos de cette activité extraordinaire. Qui sait tout ce qu'elle apportera à votre communauté?
Il nous fera plaisir de vous aider à organiser votre événement.